Nous sommes au prix Henri Langlois ce soir. Que représente pour vous ce prix ? Ce prix représente pour moi un bon souvenir puisque je l'ai eu il y a 2 ans pour mon premier film. Voilà. Et donc c'était important parce que la personnalité d'Henri Langlois est essentielle pour le cinéma en général. Voilà, la sauvegarde des films, du patrimoine cinématographique, la cinémathèque bien sûr. Donc j'étais très heureux d'avoir ce prix qui avait symboliquement été fort à mes yeux. Le cinéma a toujours été ce pont universel entre les cultures. Et du coup, quel est selon vous le rôle du cinéma dans le monde d'aujourd'hui ? Il est divers, il sert à faire penser, mais il sert surtout à divertir. Donc il faut de tout comme cinéma, du cinéma de divertissement qui est formidable et du cinéma plus engagé pour faire réfléchir. Voilà. Mais c'est avant tout un divertissement pour moi. Dernière question, plus personnelle, qu'est-ce qui vous fait rêver et où vous inspire ? Ce qui me fait rêver, ça c'est très personnel, donc je ne le dirai pas, parce que sinon on va rentrer dans des trucs. Ce qui m'inspire, c'est de voir une actrice, découvrir une jeune actrice que je ne connais pas dans un film, et tout d'un coup me dire « Ah, elle est formidable !» et j'aimerais bien tourner avec elle, voilà. Merci beaucoup.